Hello, aujourd'hui c'est le premier jour en Guadeloupe. Voilà, donc là on s'est levé super tôt. Il est à peine 5 h du matin. Voilà, donc là on va à la plage du Bois-Jolan pour le lever du soleil. Ça y est, on est arrivé. La route, elle était un peu mal faite. Hein? Hugo, il était ravi. Il abîmait la voiture, le bas de caisse. Il allait au ralenti, je crois. Il abîme le bas de caisse avec des crevasses. Elle est comme ça, la route. Je sais pas si vous voyez derrière. Bon, là encore, ça fait un peu bien, mais il y a pas mal de crevasses. Je sais pas si on les voit, voilà. Bon les gars, du coup, qu'on vous dise, on est parti à la plage de Bois-Jolan pour aller dans un autre point spot qui est la douche. Voilà, vous allez voir ce que c'est exactement. En fait, on a décidé ça parce qu'il y avait comme il y avait un peu de vent, on s'est dit, ça sert à rien, si y a la mer calme, ça fera pas l'effet douche. Vous allez voir pourquoi. Et on a de la chance parce que le soleil est sorti, voilà, donc du coup il devait pleuvoir et faire moche aujourd'hui et demain, et finalement, ben voilà, un peu de chance. Franchement, on a trouvé vraiment le bon jour pour y aller. Je vous mettrai sur le blog le point géographique pour GPS pour s'y rendre, parce que c'est vrai que c'est pas facile à trouver. En fait, on s'arrête en milieu de route, voilà, sur la route en fait, et après il y a juste à descendre à la plage. Là, ça se couvre un petit peu. Un petit peu, ouais, franchement. Du coup, là, on va faire 4 courses et du coup, ben, après, je vous montrerai toute la maison en entier, voilà, comme ça vous voyez à peu près à quoi elle ressemble, elle est vraiment très 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 jolie. Les trucs fourrés là, c'est bien, ça prend pas ça. Le côté fourré. Bon, ça y est, du coup, je vais vous présenter là où on dort pendant 5 jours. Donc, en fait, ça descend. Il y a les petits escaliers. Après, on a un petit coin pour manger. Mais c'est pas le mieux. Là, on a la buanderie. Hop. Après, ça je vous l'ai présenté du coup hier, c'est un peu plus le bordel parce que du coup on a sorti toutes les affaires, donc là il y a le lit, ici on a la salle de bain. La cuisine. Et le meilleur.
Voilà, on a un petit coin tranquille. Ça, c'est trop beau. On s'est pris une tempête sur la gueule pour aller manger. Il est vite retourné à la voiture. En deux secondes, j'ai fini, mais trempé. Avec toute la pluie sur nous. D'un coup, là, on voit, c'est... Ah, c'est la grosse pluie. C'est le déluge. De manger et on s'est rendu sur l'endroit où on va prendre la navette pour aller à l'île du Gosier. Voilà, donc je crois que ça va jusqu'à 17h. Donc là il est 14h, un peu moins que 14h. Et là du coup on attend. Ça y est, on a fait le tour de l'île du Gosier, de l'île et du Gosier. Il n'y avait pas, en fait, il n'y a pas grand chose à voir au niveau dans l'eau. C'est plutôt en fait visiter le tour de l'île, voir le phare et voilà quoi. C'est tout. C'est tout. C'est tout. Parce qu'après, il y a beaucoup de courant en fait. Plus on va loin, plus il y a du courant et après. On peut pas nager loin, on peut rester qu'au bord et c'est tout ce qu'on peut faire en fait. C'est juste profiter du bord de la plage. Voilà, tout simplement. C'est tout. Donc demain, on fera la plongée, plutôt snorkeling. Ouais, snorkeling. Et voilà, on verra beaucoup plus de choses, tortues, poissons et tout ça.